Bonjour à tous. Ce cycle en astronomie est un voyage dans notre système solaire. Plus précisément, une odyssée de l'espace à travers les différentes missions spatiales actuelles et futures. Nous parlerons ainsi au cours de ce cycle des aventures spatiales prévues prochainement sur la Lune, sur Mars et même sur Titan, un satellite de Saturne qui se trouve à plus de 1 milliard 500 millions de kilomètres de notre planète. Et nous finirons ce cycle en évoquant le destin de notre système solaire, plus précisément le destin de notre étoile et puis par conséquent le destin de notre planète. Au-delà des questions géopolitiques, l'intérêt d'aventure spatiale est extrêmement important en astronomie. On recherche, par exemple, si Mars a été à un moment donné dans son histoire habité. On sait que Mars a été habitable il y a plusieurs milliards d'années. A-t-elle été habitée? C'est une toute autre question. Et ces différentes missions spatiales nous permettent justement de répondre à ces questions. Et au-delà de la planète Mars, on cherche à comprendre la formation précise de notre système solaire. Vous pouvez vous baladez sur deux sites gouvernementaux, à savoir l'Agence spatiale européenne et puis le site de la NASA. Ce sont véritablement ces deux agences qui nous permettent aujourd'hui d'avancer sur ces missions spatiales. J'utiliserai des petites séquences proposées justement par l'Agence spatiale européenne et par la NASAF. Et nous en parlerons davantage à la rentrée où j'espère vous revoir nombreux pour ce cycle en astronomie. À bientôt.